Salut tout le monde, c'est Ritini. J'espère que vous allez super bien. Moi, ça va très très bien. Aujourd'hui, je vais partager avec vous des astuces pour vous permettre d'optimiser la longueur de vos cheveux. Mais avant de passer à la vidéo, je vous rappelle mon offre spéciale. C'est le guide gratuit que j'ai créé pour vous, pour vous aider à adopter une routine capillaire saine. C'est un guide 100% naturel qui vous donne une recette de traitement de cheveux avec les meilleures huiles végétales pour cheveux. Ça vous donne une recette de shampoing complètement naturel qui nettoie vos cheveux tout en douceur. Ça vous donne une recette de masque capillaire qui va apporter souplesse, douceur et brillance à vos cheveux. Et ça vous donne finalement une recette de lotion hydratante qui va pénétrer au cœur de vos cheveux pour les aider à rester hydratés pendant longtemps. C'est un guide qui a été téléchargé par de nombreuses personnes. Vous êtes plus de 50 000 personnes à l'avoir déjà téléchargé. Je ne compte plus les retours positifs tellement ils sont nombreux. Donc, si vous n'avez pas encore eu l'occasion de télécharger ce guide de routine capillaire 100% naturelle, je vous invite à cliquer sur le lien qui va s'afficher à l'écran pour télécharger votre guide. Passons à la vidéo. Je reçois plusieurs questions de filles qui me demandent: Rétini, comment as-tu fait pour faire pousser tes cheveux? J'aimerais avoir de longs cheveux. Donc, je vais partager avec toi des astuces qui vont t'aider à avancer dans ce sens. Vous le savez, les cheveux de tout un chacun poussent. Ça pousse peut-être à des rythmes différents, mais ça pousse. Ce qui fait la différence, c'est est-ce qu'on arrive à maintenir nos longueurs ou pas? Est-ce que la longueur de cheveux que vous perdez est égale à la longueur de cheveux qui poussent? Ou alors, est-ce que ce que vous perdez est inférieur à la longueur de cheveux qui poussent? C'est ça qui va déterminer si vous allez avoir de longs cheveux ou pas. Donc, vous comprenez que le nerf de la guerre se situe au niveau des pointes, au niveau des longueurs déjà existantes. Comment faire pour les maintenir en place pour ne pas les perdre? Le premier conseil que je vais vous donner, c'est qu'il faut être délicate avec vos cheveux. Parce qu'effectivement, si vous n'êtes pas délicate, ben vous n'allez pas pouvoir retenir vos longueurs. Comment être délicate avec des cheveux? Premièrement, évitez les gestes agressifs sur vos cheveux. Le démêlage, par exemple. Évitez de démêler vos cheveux quand ils sont secs. Il faut toujours peigner vos cheveux quand ils sont mouillés. Préférez le faire, par exemple, lorsque vous avez fini vos soins capillaires ou alors simplement en humidifiant vos cheveux avant de les peigner. Pourquoi? Parce qu'il faut savoir que lorsque le cheveu est sec, il n'est pas élastique, il n'est pas souple. Et du coup, le moindre coup de peigne énergique est susceptible de le casser. Donc, évitez de travailler sur cheveux secs en général. Que ce soit pour les tresses ou pour peigner vos cheveux, c'est toujours mieux de travailler sur cheveux humidifiés. Pas forcément mouillés, dégoulinants, mais humidifiés, c'est déjà très bien. Ensuite, évitez de peigner vos cheveux tout en boule. Ça, c'est un tue-cheveux. Ça vous crée une énorme casse. Quand vous voulez peigner vos cheveux, toujours prendre un peigne à dents larges. Vous connaissez probablement le peigne afro. En tout cas, il faut que des dents soient espacées ou des tangle teasers. Et puis, vous allez peigner des pointes vers les racines. On ne peigne pas les cheveux des racines vers les pointes parce que vous allez créer beaucoup de casse en faisant de cette façon-là. Quand on commence ainsi, dès que vous sentez un nœud, arrêtez-vous, détachez le nœud avec les doigts et remontez progressivement. De cette façon, vous êtes sûr de ne pas causer de traumatisme à vos cheveux, de ne pas les casser, de ne pas créer beaucoup de fourches et de nœuds. Toujours dans le cadre du démêlage, je vous conseille de faire toujours des sections avant de peigner vos cheveux. Surtout si vous avez déjà des cheveux qui ont une certaine longueur. Les tout petits cheveux, ça va encore. Mais une fois que vous atteignez genre 10 cm, faites genre 4 portions ou le nombre de portions que vous pouvez faire en fait.
et démêlez vos cheveux par petites portions. Ça vous permet de garder la main délicate lorsque vous peignez vos cheveux et de sentir là où il y a des nœuds et de vous arrêter pour les défaire. Autre conseil pour être délicate avec vos cheveux, c'est d'éviter les coiffages qui stressent les cheveux. Évitez les tresses trop serrées. Évitez quand la coiffeuse, vous savez, quand elle tresse vos cheveux en serrant beaucoup, elle les arrache au passage. Hein? Parfois, vous sentez que ça fait mal, ça tire, ça pince. Ben, en fait, vos cheveux s'arrachent et quand vous allez les défaire, vous allez voir que vous avez perdu beaucoup de cheveux. Donc, dites à la coiffeuse, n'ayez pas peur, hein? Vous payez quand même pour ce service-là. N'hésitez pas à lui dire de ne pas traiter vos cheveux avec violence, en fait, qu'elle ne soit pas agressive avec vos cheveux, qu'elle les tresse délicatement. Si elle ne peut pas, ben, changez de coiffeuse. Est-ce que vous voulez avoir une jolie coiffure que vous allez garder pendant un mois et qu'après le un mois, ben, tous les efforts que vous avez faits pour entretenir vos cheveux jusque-là tombent à l'eau parce que la jolie coiffure aura détruit vos cheveux? Non, personne ne veut cela, donc pourquoi hésiter à demander à la coiffeuse d'arrêter de maltraiter vos cheveux ou pourquoi aller vers les coiffures que vous savez pertinemment que ça va maltraiter vos cheveux. Le prochain conseil, c'est de vous dire d'arrêter les coiffures répétitives avec rajout, bien sûr. Donc, quand vous faites tout le temps des tissages, des rastas, quand vous mettez des perruques tout le temps, ce n'est pas bon pour les cheveux parce que les cheveux, c'est comme une plante. Les cheveux ont besoin de lumière, ont besoin de soleil, ont besoin de l'air pour vivre, pour se développer. Alors, quand vous gardez tout le temps vos cheveux enfermés sous des extensions, ben en fait, ils vont pousser, étant atrophiés. Ils vont s'atrophier, ils vont être fragiles, faibles, cassants. De même, les cheveux qui vont sortir depuis la racine seront déjà stressés. Et donc, ça sera un cheveu de mauvaise qualité qui va plus facilement tomber, qui va plus facilement se casser. Donc, ce qu'il faut faire, c'est alterner les coiffures avec rajout, là, les rastas, les tissages et perruques, alterner avec les coiffures sans rajout. Laissez vos cheveux de temps en temps à l'air libre pour respirer. Faites des coiffures protectrices, mais sans y mettre des mèches. Faites des nattes collées, faites des vanilles, c'est tout aussi joli. Le prochain conseil, c'est éviter la chaleur fréquente sur les cheveux. Ça, si vous le faites, vous allez payer le prix, mais très fort. Vous allez voir les conséquences assez rapidement. Il suffit que vous lissiez vos cheveux toutes les semaines pendant genre 3 mois, et puis c'est bon, vous allez voir vos cheveux tomber en catastrophe. Donc, préférez premièrement sécher vos cheveux à l'air libre avec le vent naturel. Quand vous faites ainsi, vous avez non seulement les cheveux qui gardent la santé, mais aussi des cheveux qui ont plus de brillance. Il faut aussi savoir que quand vous faites des lissages répétitifs, ça détruit la kératine des cheveux. Sachant que la kératine des cheveux, c'est la protéine principale des cheveux. La kératine, c'est le cheveu en fait, parce que le cheveu est constitué à 90% de kératine. Donc, quand vous détruisez cette kératine avec les lissages fréquents, ça brûle en fait les cheveux, hein, ça brûle cette kératine-là. En fait, vous détruisez la structure même du cheveu. Et forcément, votre cheveu va être fragilisé, il va avoir des coups un peu partout sur le long de la tige. Et ça va juste attendre le moment pour se casser. Il va avoir un moment où vous allez juste passer le peigne comme ça et vous allez voir vos cheveux tomber. Donc, évitez de faire des lissages fréquents. Si vous voulez faire un lissage à tout prix, mettez-y un protecteur de chaleur. Il y a des huiles qu'on vend qui aident à protéger les cheveux avant le lissage. Donc, n'hésitez pas à aller vers ces produits-là. Mais de toute façon, protecteur de chaleur ou pas, il faut espacer au maximum le lissage. Faites-en, je dirais, maximum 3, voire 4 à tout casser par an. Et même ça, je trouve que c'est déjà beaucoup. La deuxième catégorie de conseils, d'astuces que je vais vous donner pour avoir de longs cheveux, c'est le fait de faire les soins régulièrement. Faites vos soins sur une base fréquente. Vous ne pouvez pas être en train de faire vos soins capillaires
tous les 2 mois ou tous les 3 mois et espérer avoir des cheveux en bonne santé. Ça ne marche pas. Vous n'allez pas voir vos cheveux changer parce que le cheveu est assez résilient. Le cheveu supporte beaucoup tous les traitements néfastes qu'on leur apporte, mais il y a un moment où ça lâche et ça vous le fait sentir. Donc, si vous faites des mois avant de vous laver les cheveux, avant de faire vos soins, vos cheveux à un moment vont commencer à se casser, à rétrograder. Donc, vous allez avoir moins de cheveux qui poussent que de cheveux qui se cassent. Et vous ne verrez pas la longueur de vos cheveux. Pareil, si vous faites vos soins fréquemment, mais que votre soin est uniquement constitué d'un shampoing, et ensuite vous mettez une pommade, vous n'êtes pas en train de bien faire. Ce n'est pas une bonne routine capillaire. Il faut avoir une routine capillaire complète, parce que votre cheveu a besoin d'être traité, d'être nourri. Donc, juste laver et mettre une pommade qui peut-être même contient de mauvais ingrédients, ce n'est pas bon. Ce qu'il faut faire, c'est avoir une routine avec un traitement aux huiles, un bain d'huile, avec un shampoing, avec un masque pour embellir, pour nourrir en profondeur les cheveux, avec une lotion, une crème pour hydrater et nourrir encore plus les cheveux. Comme routine capillaire, je vous invite encore une fois de plus à télécharger le guide que j'ai conçu pour vous. C'est une routine qui va vous donner une bonne base pour démarrer un programme capillaire sain et économique. Donc, si vous voulez avoir une belle qualité de cheveux, si vous voulez que vos cheveux soient longs, brillants et beaux, simplement, il est recommandé de faire vos soins tous les 10 à 14 jours. Mais quand vous venez de commencer à prendre soin de vos cheveux, il faut faire vos soins chaque semaine. Le temps que vos cheveux se reconstruisent, en fait, le temps que vous traitiez vos cheveux, il faut quand même être régulier dans ces soins. Donc, pour les débutants, faites-le chaque semaine. Et pour ceux qui ont déjà un certain équilibre, faites vos soins tous les 10 à 14 jours. La troisième et dernière catégorie d'astuces, de conseils que je vais vous donner, ça concerne les produits. Faites attention à la qualité des produits que vous utilisez sur vos cheveux. Ce conseil, en fait, j'aurais même dû le mettre en première position. Pourquoi? Parce que vous pouvez être en train de faire tout ce qui est bien pour les cheveux. Vous utilisez les meilleures techniques, vous êtes délicate avec vos cheveux, mais si à côté de ça, vous utilisez des produits qui, au lieu de faire du bien à vos cheveux, leur fait plutôt du mal, vous n'allez pas voir de résultats, ou alors vous allez voir très peu de résultats. On ne veut pas ça. Je vous ai déjà parlé du type de produits qu'il faut éviter pour les cheveux. En fait, ce sont les produits qui contiennent des ingrédients nocifs pour les cheveux. On a par exemple les produits qui contiennent les ingrédients occlusifs, tels que le pétrolatum, les huiles minérales qui sont toutes des dérivés du pétrole et qui au final en fait forment une barrière imperméable sur le cheveu et qui fait que tout ce que vous mettez, tous les produits d'hydratation, les nutriments que vous voulez mettre sur les cheveux, après ça ne passe pas, ça ne pénètre pas dans les cheveux. Donc si vous avez utilisé le pétrolatum et que dans la semaine vous voulez réhydrater vos cheveux, ça ne passera pas cette barrière jusqu'à ce que vous ayez fait votre shampoing. Donc au final, vous allez avoir un cheveu qui va être sec, dénutri, fragile et qui va être cassant. Donc on ne veut pas ça. Pareil, il y a aussi les silicones. Ça agit de la même façon en formant un film imperméable autour des cheveux. Donc il faut éviter ce genre d'ingrédients. Si vous voyez dans votre liste de produits qu'il y a ces ingrédients cités, ne les utilisez pas. Ou encore, à la limite, si vous voulez vraiment insister, vérifiez que ces ingrédients ne sont pas dans les 4 à 5 premiers ingrédients de votre produit. Il faut que ce soit vraiment à la toute fin pour que vous puissiez vous dire, ok, je vais quand même l'utiliser. Pourquoi? Parce que on dit généralement que les 5 premiers ingrédients représentent 90% du produit. Donc si déjà vous avez le pétrolatum en deuxième position dans votre produit ou en première position, ouf! Vous comprenez que ce n'est pas un produit qui va le faire du bien. Alors, autre type de produit que j'avais dit qu'il fallait éviter, c'est les produits qui contiennent des ingrédients agressifs pour les cheveux. C'est par exemple le cas du sodium lauryl sulfate, le SLS, qui est la star des shampoings du commerce. Hein. Vous le retrouvez dans presque
tous les shampoings, dans la majorité en tout cas des shampoings du commerce. Donc c'est un agent moussant qui lave très très bien les cheveux. Mais le problème, c'est que ça les lave tellement bien que ça les laisse nus et fragiles et donc promptes à la casse. On ne veut pas ça. On veut un shampoing qui nettoie nos cheveux en nous laissant les huiles naturellement présentes dans les cheveux qu'on aurait aimé garder. Et non pas un shampoing qui décape en fait. Voilà, le SLS, ça décape les cheveux. Et c'est pareil pour tous les détergents sulfatés. C'est le sodium lauryl sulfate, c'est l'ammonium lauryl sulfate, le sodium lauryl sulfate. Donc c'est tout ce genre d'ingrédients. Quand vous voyez sulfate, il faut fuir en fait. Ce qu'il faut faire, c'est utiliser des produits de la composition naturelle avec des ingrédients naturels. Ça existe sur le marché. Vous avez par exemple des produits bio. Que là au moins vous êtes sûr que la qualité des ingrédients ne sera pas nocive pour vos cheveux. Ou alors, si pas les produits bio, vous avez les produits, les ingrédients naturels, c'est comme les ingrédients que je vous donne dans la recette gratuite, dans le guide gratuit routine capillaire que je vous invite à télécharger. Ce sont des ingrédients qui ne feront aucun mal à vos cheveux. Pareil, vous avez les produits Nitrale Cosmétique, qui est la marque de produits que Unique a lancé, qui est faite à base d'ingrédients complètement naturels et pas du tout transformés. Ce sont des plantes en fait. Donc, n'hésitez vraiment pas à vous tourner vers ce genre de produits. D'ailleurs, si vous voulez commander les produits de Unique, que je vous recommande fortement parce que moi-même actuellement j'utilise ces produits de Nitrale Cosmétique sur mes cheveux, n'hésitez pas à aller en barre d'infos, suivre le lien que je vais vous laisser et vous avez un code de réduction de 5%. Donc, en mettant le code RITINI5, ça vous permet d'avoir une réduction de 5%. Et quand vous utilisez les produits naturels sur vos cheveux, vous voyez vos cheveux pousser beaucoup plus vite. La qualité est beaucoup plus belle aussi. Donc, j'ai fait cette expérience-là et je sais de quoi je vous parle. Donc, n'hésitez vraiment pas à tester et à comparer. Il y a encore plusieurs conseils et astuces que j'aurais pu développer, mais si je le fais ici, la vidéo va être très très longue. Donc, n'hésitez pas à me dire si vous voulez que je fasse un tome 2 de cette vidéo, pour vous donner encore plus d'astuces pour accélérer la pousse de vos cheveux. Mais voilà les conseils que je vous ai donnés ici. Je suis certaine que ça vous fera déjà immanquablement gagner beaucoup en longueur si vous les appliquez. Voilà les filles, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un pouce vers le haut. Abonnez-vous également à la chaîne. Et cliquez sur la cloche de notification pour recevoir une notification chaque fois que je publierai une vidéo. Et je vous l'ai dit, tout le mois de décembre, je publie une vidéo par jour. Donc, soyez au rendez-vous. Voilà. Entre-temps, je vous souhaite de vous porter très très bien. Et je vous retrouve demain dans la prochaine vidéo. Bye!